Bonsoir tout le monde, bienvenue sur News et une autre fois encore, une autre tête fois ça c'est Texas. Hier soir, il y a dimanche bien tard, il y a eu un deadline minuit pour être capable de voter, pour être capable d'enacter nouveau loi ça qui a un rapport avec vote. Faut comprendre ça qu'a fait là et faut dire que c'était républicain très intelligent. Il la gagne en logique voter en pile loi et c'est plusieurs là-dedans, il a préparé bataille, il a préparé terrain ou bien bonnet. Il a gardé tout qui gens ont perdu. Yo d'accord que l'élection se passe là sans défaite liée. Yo perdu chef député, yo perdu sénat, yo perdu la présidence. Et on moun ka mande, bon c'est Texas gen là, bon te kre Donald Trump te gen Texas en pile vote. Mais sans pas comprendre, c'est vrai que Donald Trump te gen Texas, mais sou gade chiffre yo, en pile moun te pè pour Texas. C'est des chiffres qui fait peur. C'était clair que Texas était prenable. Texas qui c'est un stronghold républicain. C'est un stronghold républicain. Pile moun de manière disproportionnée voter démocrate. Donc yo même yo dit yo pas capable de garder. Donc qui gens nous capable faire pour nous en fait nous garder qui mouvement te pousser moun yo sorti qui gens pour nous mettre des lois pour nous justement contrecarrer des stratégies des mesures qui t'est encourageant bonne moun à voter. Et c'est ça Texas et c'est ça pile l'autre républicain fait et ça vient montrer que l'importance de loi ça n'a pas rappelé que loi que chambre député au niveau fédéral l'a voté une loi pas oublier que pouvoir fédéral là gain il est capable changer et statut donc si voter un projet de loi là qui a cherché de préférence libéraliser vote rendre voter à plus simple actuellement loi ça il dans chambre sénat il peut qu'on voter mais on nous parler de ça qui passé hier soir là ça nous a relé une bataille à la dernière minute justement pour voter une nouvelle loi parmi toutes lois et républicains à voter ça nous relé une loi qui a mis des restrictions sur gens à voter en fait. Si on le fait encore, Biden dit c'est une attaque contre ce droit sacré, le droit de vote qui est sacré. Et je vous dis, ce droit de vote, nous capables de dire qu'il est attaqué justement par les républicains, particulièrement qui ça ne doit pas attaquer. Ne doit attaquer, ça nous les votes par mail. Vous avez un bon monde qui a voté par mail, qui sont problème pour vous. Ok? Ne doit attaquer, ça nous les early voting. Il dit. Les poils votés et bien bonnet qui sont problème pour yo. Nèg yo mette des restrictions, il faut bay un bon papier, un bon paperasse pour montrer que pour voter. En fait, projet de loi ça qui passe pour dire ça, il y aurait les bill 7. Bon on bord des points, ça n'a rien les bah te charger. Nancy Pelosi quand elle réagit, il dit que politicien pas supposé choisir voter. Et comme si ça n'est pas fait là, yo voulez choisir qui moun. Parce que loi yo discriminatoire. Yo surtout visé zone défavorisée, par bon exemple. Nan ou nan bagay, et Texas ou fait là. Par exemple, ou konnen lè moun pou al vote ou pa gen machine, tant ou pren plusieurs moun, Texas kon ni illégal. Texas dit, sou gen deux familles avec deux trois autres moun ki pa fanmou al vote, fò siyen yon bon papier. Le fait que ou bay ou moun oui libre. 11 ans mon libre pour la voter faut ba explication parce que pas comprendre pour qui ça ouvre le tout parce que il remarqué tu gagne un mouvement get out to vote côté qui en pile monde ba l'autre monde aide dont l'autre ba encore était victime tout c'est ça relé et drive through vote nous sommes ça fait Texas ba ça peut être fait mal dans le sens que monde gagne sur machine ni et puis il gagne accès pour voter yo dit pas gagne ba comme ça et ça au fait yo dit qu'on y a gain felony penalty pour n'importe officiel qui t'a bail moun droit pour voter par mail sans moun yo pas demander pas oublier que gain des officiels qui dit bon on rentre bas la plus facile notamment cause de coronavirus là n'a voyé ça n'ta relé et mail voting by tout le monde ou gain souvle ou pas remplir mail voting ou pas besoin venir devant bail ça en pile officiel fait négo dit de pour officiel ou t'a voyé et
et on accepte votre ça ça encourage mon voter tout ça vous comprenez dans cause les voyez et automatiquement vous voyez et mail voting baoua li encourage tant côté droit la cardia mais dégoûter m'a connaître m'a connaître bagarre politique le fait que votre là venir dans la caillou li facile pour remplir li pour voter l'aller li faciliter li encourager donc ça différent pile monde qui te doit pas voter faire voter donc nego dit bah ça encourager tout le monde trop n'apprendre illégal. OK, maintenant yo vinn mande de nouvelles identifications pour moun tout kap fè application par vote. OK, et yo mande et driver license, social security, yo impose et yo vinn fon bagay tout ou konnen on ba yo les poll watcher. Ça nous les poll watcher, c'est des série de moun moi expliquer tête li qui à l'élection et puis yo rete et y a pas observé mais t'es grand pile critique contre moun sa yo en pile là-dedans yo gen soit gen mayo sou yo soit ka parler en pile yo influencé moun ka voter yo grand pile officiel qui dit avec Paul Watcher ça et kembe de par distance nous puisque nous servi une sorte de trouble pour processus électoral là. OK, parce que pas oublier que Paul Watcher ça et Donald Trump qui devine avec un monde qui vient surveiller vote ou gen deux choix. C'est soit ou faire officiel qu'a faire élection en confiance ou bien pas faire confiance parce que ça vous comprendre les parler de Paul Watcher là parce qu'il va pas péter monde élection qui j'en lié même en Haïti comme ça ne fait tout ou gars officiel yo et chaque parti gars représentant yo chaque parti gon j'en relé en Haïti oublié non et lors une élection toute parti ou des ou voyons monde qui pourra l'observer pour mais on demande qu'on a pour qui ça qu'on a besoin l'autre groupe monde encore que relé Paul Watcher des moun ki kapab vin parler nan li nan et comprendre influencer jan moun a voter soit rad sou yo soit a bou donc yo konnen que Donald Trump te parlé de bon, cause Paul Watcher ça il dit faut regarder nan élection an bagay et bien Texas dit et bien faut yo ça ne relé Paul Watcher yo pour yo gagner plus accès pour yo kapab wè pour yo kapab tande. OK, et donc Jean Andoula yon nan pose di ça par la net c'est ça ou dou gen pour remplir en forme pour signer tout à vle justement et transporter des moun qui pas fan moun à voter. Vous comprenez? Et tendez bien moun qui vle assister moun k'ap voter. Ay di tout à vle assister moun k'ap voter. Faut signer yon ot faut signer ou prêter serment under penalty perjury que moun sa ko ap aidé a li pa éligi pour assistance à cause qu'il gagne disability. OK, vous entendez? Ça veut dire ou même qui t'a voulu assister moun gal voter qu'on y a eu mandon bonne obligation pour le faire. Vous comprenez? Pour vous dire est-ce que moun ça éligi pour assistance. C'est comme quand m'ta dou ou ap ka aider moun nan parce que moun ça éligi pour assistance à cause son moun qui disable seulement. Est-ce que vous comprenez? Ça nous relève, attendez bien, si moun nan pas disable, nan, yo parle de ça ne li assistance voteur, moun kap assiste voteur. OK? C'est comme quoi m'dadou, moun kap assiste moun ki pral voter. C'est si moun nan gen disability only. Donc, ou ka comprendre ça n'a qu'à faire là. OK? So, et en fait, les démocrates, ils disent que eux-mêmes, ils attendent, une autre fois encore, ils vont aller dans le tribunal. Pas oublier que dans pile, c'était d'ailleurs Georgia, ils attendent, ils vont aller dans le tribunal. Mais maintenant, de pour faire chez un tribunal à long, chez un tribunal long, est-ce qu'il y a bien temps de délibérer dans le tribunal avant l'élection 2022? C'est ça la question. Est-ce qu'il y a bien temps de délibérer dans le tribunal avant 2022? En tout cas, ça vous connaît, c'est que plusieurs states, c'est pas une, c'est pas deux, plusieurs states républicains, la gaine logique mettez restriction. C'est la raison pour laquelle il est beaucoup plus urgent pour voter loi ça. Ça nous relie For the People Act, qui pourrait imposer, ça nous relie un nationwide voting standard. C'est fédéral lié.
Et c'est ce qu'il y a un standard pour tout state qui a dépassé sa nouvelle restriction que state a bas là. Et for the people act qui votait dans la chambre des députés et que le Sénat supposé voter, il est beaucoup plus urgent justement pour que for the people act là t'a passé. Et ça qu'a fait là c'est plan bataille républicain là qui a fait bien bonnet qui gens qui manière qui technique nous capable fait pour nous pour comme d'a dit ça là mettons de l'eau dans dit fait engouement plusieurs monde qui connent le voter et non seulement ça yo par exemple ça t'exerce fait là lui permettre que un juge gain droit deny en dit run éliminant élection même lorsque résultat pas t'a changé même lorsque a dit fraud yo t'a dit ouais pas t'a changé résultat élection parce que qui j'en t'ai yo dit OK l'ordre non son fraud si fraud là pas suffisant pour changer résultat élection hein, pas gain moi pas gain nécessité pour annuler élection mais yo changer le connait là qui permet que même lorsque vote là pas gain au niveau côté que pour lui parce que mais ça nèg yo venir nous compte là yo dit que même juge yo t'ai un juge pour yo républicain yo t'ai un juge mais juge yo faut yo agir dans cadre de la loi ou pas un bon juge qui dit nèg yo pas ca faire rien pour nous c'est juste ça aussi des juges pour républicain ou tout côté juge aller au perdu yo dit pas ca faire rien pour nous parce que la loi mais ça la loi dit donc c'est ça qui explique que c'était ça au la gain dans logique changer loi. Donc il faudrait que les démocrates calent géo puisque la bataille pour 2022 est déjà lancée.